je peux vous l'emprunter. M'emprunter quoi? Juste deux petites secondes, je vous le rends tout de suite. Mon poudrier? Oui, oui, j'en ai pas pour. Faites attention, il est... J'ai un petit cadeau pour toi. C'est très gentil. J'imagine que ta mère doit être très occupée. Elle a prévu un grand banquet mondain pour l'occasion. Conduisez ce malotru au Jupiter Club. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Je plaisantais, Elna. Ah, excusez-la, elle a besoin de se défouler. Écoutez. Elna, tu pourrais m'attendre. Elna! T'as drôlement changé, hein. Je me rappelais pas que t'avais un caractère pareil. C'est impressionnant. C'est comme ça qu'il leur parle maintenant à Billy et à ta mère. Écoute-moi bien. Je veux bien t'emmener si tu fais l'effort de te comporter en adulte. Combien de temps? C'est une photo de Robin des Bois? Non. Non, c'est rien. Combien de temps tu vas rester en colère contre moi? Ça fait plus de 4 ans déjà. Non, Barney, ça fait 27 ans.
bouge pas, Brandon. Reste comme ça. Oh, et arrête. Alors il est grand temps de se saisir oui, si on veut. Gilbert, Mira. Alors c'est nous. Oh oui, merci James, excellente idée. Tenez, ma chère. Et bien sûr, joyeux Noël, Olivier. Joyeux Noël. Il faut tomber, monsieur. Bien sûr, mon cher, prenez Mira. Ah, c'est notre d'accord. Idée. Attention. Ah, excusez-moi, joyeux Noël, monsieur. Moi, ça se voit ce que je fais. Vous croyez à la fatalité, au destin? Non, j'essaie d'échapper à ma mère. Oh, vous voulez parler de cette drôle de femme qui ressemble à la Vampirella? Oh, elle est pas si méchante. Seriez-vous une demoiselle en détresse? Vous êtes charmante et cette robe vous va à ravir. C'est la première fois que je viens, je ne connais personne. On peut faire connaissance? Mais avec joie. Mais avant? Oh, non, vous plaisantez, j'espère. Oh, c'est pas pour vous, venez. Chut, venez. Marchez normalement, faites comme si de rien n'était. C'est là. On a intérêt à se dépêcher, parce qu'ils vont bientôt tous se rappeler pour chanter leur sempiternelle chanson de Noël. Tenez, accrochez cette guirlande. Oh, et moi, pendant ce temps-là, je vais ajouter une petite note de gaieté à ce portrait. Il y a des années que j'en rêve. Vous savez jouer? Comme un pied. Et voilà, joyeux Noël, papa. Le deuxième, maintenant. On va l'accrocher à une branche. Je suis sûr que le Père Noël sera ravi. Ça le changera des bas de laine. Et hop, voilà. Et le soutien-gorge. Allez, vite. Vous n'avez jamais décoré de sapin de Noël ou quoi? Non. Et pour parfaire le tout, j'ai fait appel à la mère Noël. Oh, quelle allure, mais elle est pas belle. Il a le droit de faire la fête, lui aussi. Allez, venez, entrez, mes amis. Oh, quelle horreur. Mais c'est pas vrai. Ben quoi? Tu te rappelles la non, fois... on y est. Ça n'a pas été trop dur? Non, je crois qu'il n'a pas souffert. Il t'a beaucoup demandé. Sois gentil, je n'ai pas envie d'entendre ça. Tais-toi, s'il te plaît. Toute la famille doit se retrouver dans 3 quarts d'heure dans la chambre mortuaire. Ensuite, nous revenons ici pour le déjeuner. Oli! N'attends pas le temps que je me change. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas comme ça? Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher à l'aéroport? Oh, je sais pas, je dois avoir l'art de répéter les mêmes erreurs. Oh, oh, Oli, tu peux appeler un taxi pour Monsieur Rocher, s'il te plaît? Oui, Madame Rocher. Tu peux aussi y aller avec Billy? Barney. Salut, Oli. Ah, je suis désolé pour votre père. Oui. Oh, et pensez, vous en auriez besoin. Non, je t'en prie, arrête. On porte toujours la cravate ici? Madame Rocher ne s'occupe que des femmes. Les hommes sont toujours sous l'ancien régime. Ah, un velouté de champignons, souvenir de 1958. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Billy s'est installé ici? Ah, vous n'êtes pas au courant? Votre frère habite au club maintenant. Elle l'a mis à la porte. Elle ne vous l'a pas dit? Non. Bonjour, Billy. Ah bah t'as pu venir finalement, Barney. Et donc tu crois pas que tous les deux on pourrait faire l'effort d'enterrer la hache de guerre maintenant qu'on est orphelin? Quelle hache? Laisse tomber. Ne me dis pas que tu vas aller à l'enterrement de papa habillé comme ça. Tu ne respectes vraiment rien. Cette cravate, c'est Oli qui me l'a donnée. Dans ce club pourri, on rentre pas sans cravate. Est-ce que tu peux m'emmener? J'ai pas de voiture. Oui, pas de problème. Pas de problème. Je voudrais te poser une question qui me tenaille depuis une bonne vingtaine d'années. Est-ce que tu aurais prêté attention à Léonore si j'avais pas été là? Voici ce que t'as pensé, Barney. Tu l'as épousée parce que j'étais amoureux d'elle, c'est ça? C'est vraiment médiocre, même de ta part. Mais c'est vrai, non? Si tu pouvais seulement écouter ton cœur, ou disons le trou que t'as à la place du cœur, tu t'apercevrais que j'ai raison. Tu veux savoir? Ouais. Pour tout te dire, je n'ai jamais eu aucun plaisir à me mesurer à toi, Barney. Tu es trop facile à battre. Thank you.
Ne sautez pas. Tu es très élégante. J'étais sûre de te trouver ici. Ah oui? Maman veut que tu te joignes à la famille. Ce n'est pas ma mère. Non, c'est ma mère, mais c'est aussi la veuve de ton père, que tu le veuilles ou non. Pourquoi est-ce que t'as mis Billy dehors? J'y vais, les invités arrivent. Ça veut dire que j'ai mes chances maintenant? Barney, c'est l'enterrement de ton père. Ah, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai toujours eu du mal à me contrôler, c'est connu. Ma mère est inquiète, elle a peur que tu fasses un discours. Ah, elle a un de ses flairs, ta mère, elle est vraiment très forte. Ne fais pas de discours, Barney, on va juste chanter quelques-uns des cantiques préférés de ton père, c'est tout. Ah, plus près de toi, Seigneur. Peu importe, Billy se mettra au piano et nous chanterons tous en chœur. Le pasteur prendra la parole, des membres du club rendront un bref hommage à ton père, quelques minutes de silence et basta, on va au bar. Bon, d'accord. Merci. Dis à ta mère que je serai bref. Barney... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a peur que je fasse un scandale pour l'enterrement de mon père ou quoi? Oui, il y a des chances. Toi aussi, tu crois ça? Écoute, à chaque fois que l'on a eu l'occasion de réunir toute la famille, tu t'es toujours arrangé pour casser l'ambiance et semer la discorde avec beaucoup de plaisir. Mais c'est à cause de toi, Elna. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de toi et personne d'autre. T'avais qu'à rester avec moi au lieu de partir avec mon gentil petit frère. Je t'interdis de parler comme ça, c'est pas ma faute si t'as raté ta vie. Bien, alors laisse-moi au moins te reprocher d'avoir raté la tienne. Tu ne prononceras pas ce discours. Je vois que tu appréhendes toujours la colère de ta mère. C'est marrant parce que tout à l'heure, je t'observais et j'ai eu l'impression que tu t'étais un peu détaché de son emprise. Eh ben, j'ai eu tort. Tu n'es plus membre du club. Si. Ton père t'a exclu, rappelle-toi. Je suis même un membre permanent de ce maudit club. Ça fait 30 ans que j'essaie de le quitter. Ça fait 30 ans qu'ils veulent m'exclure. Mais c'est impossible. Et tu sais pourquoi? Parce que ce serait aller contre les lois de la nature. Une fois qu'on y est, on ne peut plus en sortir. On est membre à vie. C'est pas vrai? Et cette grande pièce, c'est le lieu saint par excellence. Le sanctuaire magique, la forteresse. Et quand vas-tu grandir, Barney? Et Billy, il va parler? Maman lui a demandé de dire quelques mots. J'en étais sûr. Écoute-moi bien. Hein? Dans cette enveloppe, il y a une lettre. Et je vais la lire en entier et à haute voix. Alors vas-y, cours prévenir ta mère, Elna. Allez, continue de jouer les gentilles petites filles obéissantes et dociles. Ça te va si bien. Barney, tu me désespères. Je me rends compte qu'une fois de plus, je suis obligé de me priver d'un moment de détente parce que l'aîné de mes fils a encore fait des siennes. Allez, viens vite, dépêche-toi. J'ai l'impression que la seule chose qui t'intéresse, c'est d'être désagréable, de gâcher les rares moments de bonheur où l'on est tous ensemble, de ruiner les efforts que chacun fournit pour passer une bonne soirée. Qu'est-ce qui ne va pas, Barney? Regarde-moi quand je te parle. Allez, j'attends une réponse, je t'écoute. J'ai aucune réponse à donner. Tu aimes déranger, provoquer le monde. C'est comme ça depuis toujours. Tu as même trouvé le moyen de naître en plein dîner. Ta mère a dû quitter la table avant le dessert. T'as mangé sa part, j'imagine. Ou alors elle est sortie sans que tu t'en rendes compte. Le docteur Russell m'a dit que la première chose que tu as montrée en venant au monde a été ton postérieur. Et je dirais que depuis, tu n'as pas fait beaucoup de progrès. Et les exemples ne manquent pas qui illustrent ton comportement insatiable. Les nourrices en larmes, les cuisinières qui pliaient tout le temps bagages, les femmes de ménage qui étaient terrorisées parce que tu les pourchassais avec un petit pistolet. Ensuite, j'ai essayé de t'éduquer. Je t'envoie à la maternelle et la première chose que tu apprends à écrire est un gros mot. Et la première chose que tu dessines, c'est un remarquable membre viril sur Winnie l'ourson. Plus tard, je t'envoie à des soirées où ta seule ambition est de séduire l'hôtesse. Oh, tu es un excellent élève. Mais tu vas échouer en histoire parce que les seuls sujets qui te passionnent sont anarchie, révolution et Franklin D. Roosevelt.
Et maintenant, ceci. Te considères-tu comme un gamin ou comme un homme? Disons que je pense que je suis un peu des deux. Je vois. Et tu n'espères pas être un homme à l'avenir? Si, bien sûr. Et tu crois que tu t'es comporté comme un homme responsable ce soir? Non, comme un gamin. Comme un gamin de 3 ans, tu veux dire. Ton jeune frère est en train de jouer du piano et plus je le regarde, plus j'ai le sentiment que c'est lui l'aîné. Mes amis disent tous qu'il est fort probable que tu souffres de l'absence de ta mère. C'est vrai. Tu n'es pas le seul. Oui, je le sais, papa. D'ailleurs, parfois, elle me manque tellement que j'ai envie de... me laisser aller. Pourquoi tu te retiens? Pardon? Tu devrais te laisser aller. Ah oui, et pourquoi cela? Peut-être que ça te ferait du bien. Bon, je ne vois guère ce qu'il peut y avoir de positif dans le fait de se laisser aller, et je ne sais pas pourquoi tu t'y emploies avec autant de plaisir. Je suis peut-être mauvais. Ridicule. Tu ne sais pas qui je suis. Bien, il n'est pas trop tard pour réparer ta faute. Tu vas présenter tes excuses. D'accord, je te prie de m'excuser. Non, à nos invités. Quoi? Tu veux pas que je leur fasse un discours? Tu es mon fils aîné, et en tant que tel, tu as des devoirs. Quel est le nom que l'on peut lire plus que n'importe quel autre ici? Le tien. Le nôtre? Quel a été le premier président de ce club? Mon arrière-grand-père, je sais tout ça, papa. Je sais qui a tué cet élan dans le Wyoming. Je sais qui est allé pêcher ces poissons en mer Méditerranée. Et je sais aussi quel est le nom qui est gravé sur cette coupe. Pourquoi, Barney? Pourquoi tout ce mépris? J'en sais rien du tout! Bien. Je compte sur toi pour présenter tes excuses. Non. Comment ça, non? Pas à ces gens-là, c'est trop dur. Non, je peux pas. Quand tu seras décidé à t'excuser, tu pourras sortir. Je te souhaite un joyeux Noël, Barney. Je vais pas m'excuser, alors ça, jamais! Entendez? Jamais! Ça y est, je le lui ai dit. Pardon? Ma mère, je lui ai dit que tu voulais parler. Maintenant, c'est moi qui vais te faire un petit discours. Écoute, Elma. Non! Tais-toi, s'il te plaît. Une fois que la cérémonie sera terminée, une fois que nous aurons enterré ton père avec ou sans scandale, je quitte cette maison. Et je m'en vais loin de Boston. Toute ma vie, j'ai essayé de composer, de trouver un compromis entre toi et Billy et ma mère, à tel point que j'ai fini par ne plus savoir ce qui me tenait vraiment à cœur. Et j'ai hâte de tirer un trait sur tout ça. Il y a un autre homme, c'est ça? Non, mais pourquoi est-ce que les hommes s'imaginent toujours ça? Alors une autre femme. C'est très drôle, Barney. Tu abandonnes toute ta famille, c'est très moderne comme attitude. Je n'ai pas dit que j'abandonnais ma famille et je t'interdis de me donner des leçons. Maintenant que ton père est parti, qui vas-tu faire souffrir? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? T'aimer, j'ai fait que ça toute ma vie. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que tu aurais dû faire autre chose. Sautez pas! Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous avez besoin d'aide? Ils vous ont disputé? Non, non, et vous avez été très galant de ne pas m'avoir dénoncé. Ah, mais ça c'est normal, je suis Robin des Bois. Sauver les demoiselles en détresse, c'est ma spécialité. Donnez-moi votre main. Vous voulez m'épouser? Pour vous aider à rentrer, idiot. Oh, je pensais pas qu'on se reverrait, je suis ravi. Comment vous vous appelez? Éléonore Goldberg. Goldberg. Oh non, pardon, Gilbert. Pourquoi vous avez dit Goldberg? Oh, nous avons changé de nom. Vous êtes juive? Non. Mon père dit que tous les noms en Berg sont des noms juifs. Oui, mon père est juif, mais ma mère lui a demandé de s'appeler Gilbert. Alors on a enfin un juif dans le club. Non, il vit à Harrisburg. Harrisburg, ben, c'était non juif. Oh, arrêtez. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est le coup de foudre entre nous. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et vous? Oh, non. C'est fantastique. Je suis de passage, je suis venue pour les vacances. Oh, mais c'est encore mieux, c'est tragique. Nous allons vivre des amours malheureuses, comme Roméo et Juliette. Vous vous appelez comment? Ah, oh, si je vous le dis, ça va vous porter malheur. Oh, je vous ai dit le mien. Oh. Rocher. Rocher? Rocher.
Hello, où est le mal? C'est connu comme nom? C'est pas vrai, vous n'avez jamais entendu parler de nous? Mais alors c'est le destin qui vous envoie? Ah oui? Pourquoi? Chut. Ben voilà, quand j'avais 10 ans, j'ai rencontré une vieille bohémienne qui a posé un doigt entre mes deux yeux et qui m'a raconté que j'épouserais la première fille qui n'aurait jamais entendu parler de la Maison des Rocheurs. C'est vous? Qu'est-ce que c'est? La Maison des Rocheurs? Vous y êtes? Et sur ces murs, vous pouvez admirer tous mes ancêtres. Ils sont curieux dans votre famille. Spirituelle? T'as vu ça? Elle est belle et spirituelle. Oh, merci, madame la bohémienne. Je suis sûr qu'on a des milliers de choses à se raconter. Il faut qu'on fasse connaissance. Venez, suivez-moi, perdons pas de temps, vite! Cette conversation de l'autre côté. Non. Oh, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez les rejoindre? C'est à cause de ma mère. Elle veut me voir avec des gens de mon âge. Je voudrais lui montrer que j'ai trouvé quelqu'un. Je suis pas un trophée. Oh, c'est pas ce que je peux pas y aller. Mais pourquoi? C'est comme ça. C'est la vieille bohémienne. Elle m'a jeté un sort. Si je rejoins tout ce beau monde, je meurs en une seconde. Oh, ma mère. Allez, venez, dépêchez-vous. Mais où? D'abord, je vais vous emmener au cinéma. Je connais un cinéma de quartier où il ne passe que des classiques. Ce soir, il y a Robin des Bois avec Errol Flynn. Vous pouvez pas rater ça. Ça va être le film qui symbolisera notre rencontre. Allez, venez. Sache que je t'accorde encore 5 minutes, pas une de plus. Excusez-moi, mademoiselle, mais ce jeune homme n'a plus que 5 petites minutes. Qui est-ce? C'est votre père? Non, c'est un type que je paie pour me donner l'heure. Bon, allez, venez, on va sortir par là. Et le premier qui nous barre la route, je l'expédie en enfer. Vous avez un peu d'argent. Ah, Éléonore, tu es là, ma chérie? Je te cherche partout. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette espèce de musée poussiéreux? Ah, eh bien... Il y a plein de beaux jeunes gens autour du piano, Éléonore. Pour se faire remarquer, le meilleur endroit, c'est près du bar ou près du piano. Je sais bien, maman, mais je suis tellement timide. Oh, c'est ce qui fait tout ton charme, mon trésor. Évidemment, tu ignores ces choses-là. Tu as passé tous tes dimanches à jouer aux échecs avec ton père. Allez, hop, viens avec moi. Je ne pourrais pas encore rester quelques minutes? Non. Allons, redresse le menton, le dos bien droit. Un petit sourire. Tu n'as plus qu'à faire semblant de passer une merveilleuse soirée, trésor. Oh, j'arrive pas à faire semblant. Mais si, tu vas y arriver. Et tu vas me faire le plaisir d'aller tout de suite te mêler à ces jeunes gens et de remporter un franc succès. J'ai décidé de rester ici. On dîne ici, finalement? Non, je vais m'installer ici, dans cette ville. Ah oui, et papa, alors? Eh bien, je suis prête à sauter le pas. Il y a longtemps que j'y pensais, et maintenant je suis décidée. Je vais enfin divorcer de Myron Gilbert. Ce voyage était pour moi l'occasion de réfléchir à une éventuelle séparation. Eh bien, j'ai réfléchi, on se sépare. Voilà. Je n'ai plus qu'assez de jouer au bridge avec cette bande d'imbéciles, d'aller à ce club de jardinage pour parler des pieds de tomates et du haricot. Non, c'est terminé. Ce n'est pas pour moi, et ce n'est certainement pas pour toi. C'est ça, l'idéal. C'est quoi l'idéal? Ce club, c'est ça la vraie vie. Et c'est pour cette raison qu'hier, je n'ai pas hésité à dépenser $66 pour t'offrir cette superbe toilette et que je te demande avec autant d'insistance d'aller t'installer près du piano. Nous allons vivre ici. Et je vais te lancer dans le monde. Et tu choisiras un beau jeune homme et tu l'épouseras, tu fonderas une famille et tu seras heureuse et à l'abri du besoin pour le restant de tes jours. Maman. Oh, ma chérie. Ma princesse. Oh, il faut que j'aille à la salle de bain pour me repoudrer. Oui. Excusez-moi, ce qu'on vient de voir là, c'est une pièce que vous avez montée pour moi. Je veux dire, il n'y a personne qui dirait ça dans la vie, à moins d'avoir été payé par quelqu'un autrement. Ne vous moquez pas de ma mère. Pardonnez-moi, c'était tellement ridicule. Allez, on y va maintenant, venez. Je vous le répète. Pourquoi? Je ne peux pas. Mais c'est elle qui vous terrorise comme ça? Vous avez peur qu'elle vous coupe les mains, qu'elle vous prive de dessert? Allez, venez. Je vous en prie, Barney. Non, pensez à ce qui vous attend. Le bonheur, la liberté, la vraie vie. Mon Dieu, je te demande pardon, j'ai été très maladroite, c'est sûrement un terrible choc. Oui, ça a vraiment été un choc. Éléonore, sache que tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, et tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu es ma seule joie, mon trésor, c'est toi qui me donne la force d'aller de l'avant et de penser à l'avenir. Allez, viens, ma chérie. Non, 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 sors-toi de l'autre côté. Bien sûr que ça va, mon ange. Ah oui, ça va très, très bien, maman. J'aimerais te présenter à quelqu'un. Tu as remarqué le jeune homme qui jouait du piano? Billy? Non. Il est exquis, tout à fait captivant, et j'ai entendu dire que c'était le fils de Charles Rocher, qui est pour ainsi dire propriétaire de ce charmant endroit. Allez! Okay.
Billy, tu peux venir un instant, mon garçon. J'aimerais te présenter quelqu'un, Mira. Charles, je vous présente ma fille, Éléonore. Ravie de vous connaître, mademoiselle. Éléonore, je vous présente mon fils, Billy. Bonsoir. Je peux? Oh, mais bien sûr, je vous en prie. Vous jouez du piano? Oui, enfin, je me débrouille. Merci. Où en étions-nous? Ella, je crois. Vous jouez très bien. Merci. N'importe qui, mais pas Billy! Bonsoir, dame. Je suis au 7e ciel, ce soir. Tu exagères. Non, c'est vrai, je n'exagère pas. Oh, pardonnez-moi, je ne vous en ai pas proposé. Vous en voulez. Oui, merci. De rien. Il vous sera fait aucun mal. Ben, joyeux, Billy. Pardon, franchement, là, tu abuses. Mais non, c'est tout à fait légitime. Je suis ton grand frère et en plus, je danse mieux que toi. Justement, c'est un peu cavalier. Je dirais même incorrect. Il est encore là, Sheila. Je vais t'envoyer valser, moi, si tu continues, hein. Barney, mais c'est pas un tango. Et on s'avance. Et là, tu me dis de partir ou tu veux que je m'en charge? Le tango est un rendez-vous secret entre deux personnes. Une, deux, trois, tu fous le camp. Je m'en fiche, j'avais retenu cette danse avant lui, Blanche-Neige. Oh, lâche-moi, ça suffit maintenant. Non, j'ai un compte à régler avec vous, ma jolie. Oh, s'il te plaît, Barney, non, arrête, sois gentil. Je veux savoir pourquoi tu veux partir une semaine aux Bermudes, et avec mon frère en plus. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais, c'est tout. Qui te l'a dit? Peu importe, qu'est-ce que ça change? Celui qui te l'a dit est une vraie peau de vache. Eh ben justement, c'est ta mère qui me l'a dit. Et elle a ajouté, demain, c'est plus la peine de l'appeler. Tu veux plus qu'on se voit? Si, mais j'ai envie d'aller aux Bermudes, on est toute une bande à y aller. Elle m'a dit que c'était toi qui avais tout organisé, et tu m'as même pas demandé si je voulais venir. Pourquoi? Parce que je savais que tu m'aurais dit non. Ah ouais, un peu que j'aurais dit non. Me retrouver sur une île pleine de touristes, avec cette bande d'intellos à tête creuse. Et voilà, on peut pas discuter avec c'est toi. C'est ta mère qui a eu cette idée? Non, c'est moi, il m'arrive de prendre des initiatives de temps en temps. Non, c'est vrai, je te crois pas, c'est vrai. J'ai travaillé tout l'été pour me payer ce voyage. Et d'après toi, qui est-ce qui paye pour Billy? Je sais rien, ça m'est égal. Moi, je sais, c'est mon père qui paye pour Billy. Et alors, il l'aurait jamais fait pour moi. C'est normal, tu as été renvoyé de l'université. Non, je regrette, j'ai pas été viré, Elna. C'est moi qui suis parti. Ils voulaient pas m'intégrer dans leur équipe d'escrime. Faut les comprendre, tu veux toujours faire comme Robin des Bois. Oh, bah, il faut voir comment ils enseignent ça. Tu veux que je te montre la mise en garde? Alors voilà, tu mets un pied comme ça, l'autre pied comme ça, et ensuite t'accroupis. Regarde, tu peux pas bouger dans cette position. Regarde. Ce que je veux, c'est aller au Bermude. J'ai envie de m'amuser. Oh non, s'il te plaît, reste avec moi. Y a rien à faire ici, Barney. Comment ça, y a rien à faire? Tu rigoles? Écoute, y a plus de neige. On peut plus faire de ski. On ira faire du patin à glace. On ira se promener tous les deux à Beacon Hill. On ira manger une glace chez Brigham. Et puis l'essentiel, c'est d'être ensemble. Boston est une ville pleine de surprises. Elle est magique. Elle éclaire les amoureux dans la forêt du monde. S'il te plaît. S'il te plaît. On a toute la nuit, Elna. Pourquoi? Ça. 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 Où ça? Tu veux bien? Je t'ai demandé où. Viens, viens. Ici? Ouais, c'est notre chambre. Tu peux allumer? La fête est presque terminée. C'est pas grave, on a toute la nuit devant nous. C'est pas toi qui devras affronter ma mère. Toi non plus. Rassure-toi, j'ai tout prévu.
Billy pensera que t'étais fatigué et que je t'ai raccompagné. J'ai dit à mon père que j'allais passer la nuit chez mon cousin Henri. Et j'ai appelé ta mère pour lui dire que la voiture de ce cher Billy était en panne et que tu dormais chez Lucie. Tu as appelé ma mère ? J'étais extrêmement correct. Oh non, tu aurais pas dû faire ça, elle va se douter de quelque chose. Non, j'ai été parfait, il n'y a absolument rien à craindre. On est seuls, tous les deux, et tout le monde pense que nous sommes loin l'un de l'autre. Et si on attendait que je sois revenue des Bermudes après une semaine de séparation, on aura réfléchi. Je ne serai plus là quand tu reviendras des Bermudes. J'ai été appelé aujourd'hui. Tu as été appelé? Bah oui, c'est la guerre. Je peux très bien me faire tuer sur le front. Oh, bien sûr. Je savais que tu me croirais pas. Tu veux savoir comment c'est? Un ordre d'incorporation? Vas-y, lis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah rien, je ferai comme les autres. Je monterai dans le bateau en priant pour qu'il tienne la route. C'est pour ça que je veux pas que tu t'en ailles aux Bermudes avec Mais Billy. Mais c'est prévu depuis longtemps. Mais c'est pas ça, la vie faut rien prévoir, Elna. La vie c'est prendre des risques, c'est suivre les élans de son cœur. Écoute ton cœur, Elna. Écoute-le. Écoute-le. Attends. Cuisine cet après-midi. Bah, un dîner aux chandelles, les Bermudes, elles peuvent aller se rhabiller. Viens, viens voir. Viens voir. Regarde. Des huîtres. Des huîtres? Des huîtres fumées, c'est bon. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Mmh. Et voilà, un château neuf du pape. Avec les compliments du pape. Et pour déguster ce vin noble et généreux, nous allons boire dans le Saint Graal. En fait, c'est la super coupe du tournoi de tennis double mixte de Boston. Mon père et ma mère l'ont gagnée en 1956. Parnet, tu exagères, tu es un vrai gamin. Tu es la plus belle fille du monde. Je t'en prie, arrête. Si, c'est vrai. Oh, Elna, ne viens pas, reste avec moi. Je pars juste une semaine, c'est rien que de ça. C'est très long, une semaine. Si tu pars avec Billy, alors qu'il te serait si facile de dire non, tu vas finir par te perdre. Tu seras piégé jusqu'à la fin du jour. J'en prie. Ne laisse pas la peur guider ta vie. La peur? Mais de quoi est-ce que j'aurais... De ta mère? On est très proches l'une de l'autre, bien plus que toi. Avec ton père, tu dis ça parce que tu es jaloux. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Je sais pas quoi faire. Tu sais ce que je fais, moi? Quand mon cœur balance, je danse. Bien sûr, avec toi, tout est simple. Tu parles trop, beaucoup trop. Je crois que c'est le moment de passer à une ambiance encore plus romantique. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, dépile-le. Barney? 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 Je suis sûr que ça t'ira très bien. Qu'est-ce que tu fais? Change. Change-toi, j'arrive tout de suite. C'est vraiment transparent.
La nuit est à nous, Edna. La nuit nous appartient. C'est parti. Barney, les invités s'en vont. L'orchestre s'est arrêté. T'inquiète pas. Je suis vraiment embarrassée, je sais pas quoi faire. Je t'en prie, Edna, reste avec moi. Maman dit que dans ces cas-là, je dois réfléchir à ce qui me ferait le plus plaisir. T'as qu'à manger les huîtres. Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de rentrer à la maison, de retrouver mon lit, d'aller au Bermude, de me baigner avec Billy et tous les autres, d'aller faire un tennis et d'écouter les Panteros au Elbow Beach Club. Qu'est-ce que tu préfères, les Panthères roses ou un homme, un vrai? Je sais pas. Les Bermudes, c'est pour les nains. Et ici, on fait pas dans l'amateurisme. Je veux aller aux Bermudes, j'aime ces gens, je me sens bien avec eux. Tu n'es pas fait pour moi. Ah ouais? Je suis pas assez bien pour toi. C'est ce que ma mère pense, elle dit que tu es un beatnik. Un beatnik? Elle me prend pour un beatnik? Oui, oui, et elle a raison, c'est vrai, dès que je suis avec toi, je ne sais plus où j'en suis, je me sens mal. Éléonore, ta mère est une bourgeoise qui passe son temps à lire les aventures des têtes couronnées, à chercher les milliardaires veufs divorcés, elle a un cœur en plastique. Alors comment tu peux te fier au jugement d'une personne aussi superficielle? Tu me fais peur, je veux rentrer chez moi. Donne-moi la clé. Barney? Si je peux pas t'avoir près de moi, j'aurai personne d'autre. Seulement si tu dis non ou bien... Oh, Éléonore, réponds-moi, Éléonore, c'est ta mère. Tu es là, ma fille? Tu n'aurais jamais dû l'appeler, habille-toi! Plus de Bermudes? Vive les Bermudes! Barney! Papa? Oh, mon Dieu, mais quelle catastrophe! Dépêchez-vous, j'arrive! Je vais ouvrir la porte, Barney! Écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai apporté le pass. Merci, heureusement que vous êtes là. Très bien, rentrez chez vous, s'il vous plaît, soyez gentil, je vais arranger ça. J'ai bien fait de vous téléphoner. Panne de voiture, mon œil. Barney! Peux-tu montrer ton visage ou suis-je obligé de parler à un fantôme? Alors, Barney, si tu nous racontais... Je suis allé prendre une douche, j'étais sous et je me suis évanoui. Éléonore est entrée et pour m'éviter les ennuis, elle a fermé la clé. J'ai du mal à le croire, c'est curieux. Et ma veste d'intérieur, comment est-elle arrivée ici? Vous devriez raccompagner Éléonore à la maison, Billy. Si elle préfère rester avec Barney, je n'ai pas le droit de contrarier le choix de votre fille, Madame Gilbert. J'apprécie ton fair play, Billy, mais étant donné les circonstances, je crois que c'est la meilleure solution. On pourrait peut-être jouer ça au tennis si tu sais te battre. Mais qu'est-ce qui... Oh, qu'est-ce que c'est que ces façons? Ça suffit, calmez-vous. Il est peut-être préférable qu'Éléonore rentre à la maison avec sa mère. Oui, tout à fait. Rentrons, Éléonore. Pourquoi ne pas la laisser choisir? Billy, tu peux me ramener à la maison? Non, Anna, non. C'est pas ce que tu crois, Barney. Mais s'ils réagissent, c'est ton avenir qui est en jeu, Anna. C'est grave. Tu vois pas que t'es à un tournant de ta vie en ce moment? C'est très important. Si tu viens avec moi, je ferai tout pour... Barney! Je suis étudiant, j'ai un sursis, moi. Attends, si je me retenais pas... Non, non, allons-nous-en, c'est déjà assez ridicule comme ça. Anna, je t'en prie. J'espère que tu passeras de bons moments au service, Barney. J'espère que tu passeras de bons moments au service, Barney. Alors, maintenant... Oui, je sais, je vais aller à la salle de bain, je me change, c'est ça? Oui, et enlève cette veste d'intérieur.
tard. Je doute que nous ayons eu le fin mot de toute l'histoire. Il est évident qu'il s'apprêtait à faire certaines choses, mais heureusement, l'honneur est sauf et nous avons pu arriver tôt. Vous avez bien fait de m'appeler, Mira. J'espère que je ne vous ai pas réveillée, au moins. Ah non, pensez-vous, je lisais dans mon lit. Ah, oh, moi de même, figurez-vous. Ah oui? Oui. Que disiez-vous? Vous allez vous moquer de moi. Pas du tout, voyons. L'amour autant des châteaux forts de Michael Lane. Vous trouvez ça ridicule, n'est-ce pas? Ah non, non, non. En fait, c'est un livre, c'est musée. Ah oui? Oui, dans ce livre, Michael Lane décrit avec une grande précision ce qui se passait au Moyen-Âge. Ah oui, et que se passait-il? Oh, je ne vous dirai rien. Ah oui, j'imagine que ce qui se passait en ce temps-là se passe encore. Ah, mon Dieu, oui. Ça n'a pas changé. Bon, tu te dépêches, Barney. Et bien entendu, après ce que nous venons de vivre ce soir, je risque d'avoir beaucoup de mal. À quoi faire? Oh, mais à m'endormir. Barney, nous t'avons suffisamment attendu. Tu te débrouilleras pour rentrer seul. Voilà, maintenant restez comme ça et souriez. Bien, ah, c'est ça, très bien. Encore une autre. Merci. Bon, monsieur Rocher, passez votre bras autour de madame. Très bien, merci. Attention. Oui. Merci. C'est ce que je lui ai dit, évidemment. Ah, ben, il n'a pas dû aimer. Ah, allez, les brochettes, rapprochez-vous, que je fasse une belle photo. Allez, allez, regroupez-vous. Voilà. Et maintenant, dites millions. Tu veux un peu de gâteau? Tiens, regarde. Ça va aller comme ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Il est pour qui? Celui-là, il est pour Ceci. Tiens, si tu veux une fourchette, elles sont à côté. Voilà. Et moi, si je le goûtais? Bonjour. Bonjour, Georges. Bonjour, Elna. Eh oui, Barney, ça y est, j'ai épousé Billy. J'ai envie de pleurer de bonheur. Éléonore! Oh, ça va, Charles? Quand aurai-je le plaisir de danser avec la mariée? Oh, quand vous voudrez, Charles, avec joie. Billy n'est pas là. Éléonore? Oh, je regardais si je ne voyais pas Barney. Barney? Oh, je sais que c'est ridicule. Ma chère amie, en ce moment, Barney est à San Francisco. Je sais, mais je me disais qu'il pouvait peut-être venir. Oh non, il ne les lâche pas comme ça, l'armée. Son bateau va partir en Extrême-Orient et aujourd'hui, il était de garde. Et il a décidé de faire carrière dans la marine, vous êtes au courant? Oui, je sais aussi qu'il ne fera rien qui compromette sa carrière, c'est vrai, maintenant qu'il a trouvé sa voie. Cela dit, c'est curieux, j'ai le sentiment... Vous n'êtes pas la seule, moi aussi. Vous aussi? Vous pensez qu'il va quitter l'armée? Oui, et j'en serais ravi. Mais je compte sur votre discrétion, Éléonore. Alors, il vous manque? Bien sûr, quelle question. Et tant que cette maudite guerre ne sera pas terminée, je ne dormirai pas tranquille. Vous le lui avez dit, j'espère? Non. On a toujours tendance à dissimuler nos sentiments, c'est de famille. Oh, Charles, vous croyez que j'ai eu raison de me marier? Oh, mais bien sûr, c'est l'émotion de cette journée qui vous désoriente. J'espère que ce n'est que ça. Éléonore, vous voyez cette coupe? Eh bien, je l'ai gagnée avec ma femme en 1956. Nos noms sont gravés là. Je sais, quelqu'un me l'a montré une fois. Ah, Hélène rêvait de gagner cette coupe. Chaque année, on s'inscrivait et chaque fois, on était éliminé au premier tour. Et en 1956, ce fut notre grande victoire. Savez-vous ce qui nous a permis de gagner? Non, quoi? Nous avions trouvé notre rythme. Et à chaque échange entre nous, c'était l'accord parfait. C'était complètement grisant, miraculeux. L'idéal, en somme. Et comment? Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré rester seul. C'est triste, Charles. Non, pas tant que ça.
Je suis heureux d'y repenser, de me le rappeler, de le voir naître chez d'autres comme vous et Billy. Oh, nous sommes bien loin de l'accord parfait. Oh, mais c'est normal, vous manquez de pratique. Mais je suis certain qu'un jour, le nom de Billy et le vôtre trouveront leur place sur cette coupe. Vous pensez qu'il y aura aussi celui de Barney? Je l'ai longtemps espéré. Oh, il n'a peut-être pas envie de gagner. Ah, certainement pas un double mix, en tout cas. Ah, je te cherchais. Oh, Charles, devine ce qu'on vient d'apporter. On vient d'apporter un cadeau de mariage, un cadeau de Barney. Ah, ça prouve qu'il lui reste quelques rudiments d'éducation, j'en suis ravi. Tu verras ce que c'est, tu le sauras moins, Charles. J'ai eu la bonne idée de regarder ce que c'était, heureusement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Une photo dans un cadre. Et alors, où est le mal? Où est le mal? Il faut voir ce qu'il y a dans le cadre. C'est-à-dire? Une photo de lui. Oh, mais c'est très touchant, ça. Une photo de Barney. Dans son costume de marin? Non, pas du tout. En costume d'Adam. Barney a eu le culot d'envoyer comme cadeau de mariage une photo de lui nu. Oui, et prise de face. Un format 30-40. En codicolore. Quelle honte! Et... quoi encore? Oh mon Dieu, comment... Ben bah, si, je t'écoute. Oh. Et il a mis un gros ruban rouge autour de son... sexe. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur! Oh, Dieu soit loué, il est à plus de 1000 kilomètres. C'est ce que je disais à Eleanor. C'est également ce que j'ai dit à ces deux marins, là, tout à l'heure. Quels marins? Les marins, enfin, deux jeunes garçons qui étaient déguisés en marins avec des petites matraques, comme dans la police. Mira, je crois que c'est la police navale. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Me voir Barney. Oh, non! Oh, non! Charles! Charmante réception. Oh, Ariette, superbe ta coiffure. Bonjour, Phil. Allez, hop, on se tait et on regarde les nuages. Et c'est pas une arme en plastique, alors restez bien sage. Là, et maintenant, vous allez appeler Elna. S'il vous plaît, Barney, profitez. Soyez gentils, allez, allez, appelez-la à exécution. Elle danse avec lui. J'attends. Oh, oh. Dites-lui que vous avez vos vapeurs, que vous êtes saoul, allez-y. Éléonore, chérie, j'ai besoin de toi, trésor. Très bien. Barney, laissez-la, elle est heureuse avec Billy. Elle le sera encore plus avec moi. Elle est mariée, les meubles sont arrivés, les serviettes, les draps. C'est parfait, on n'aura pas à changer les initiales alors. On a le même nom, Billy et moi. Celui qu'elle aime, c'est Billy. Barney. Ma chérie, attention, il est armé. Oh mais non, voyons, c'est une branche. C'est pas étonnant qu'on perde la guerre. Laisse-nous seuls maintenant. Éléonore, je suis une grande fille, maman. Oh, je t'en supplie. Tu diras à Billy que je suis partie me recoiffer. Ce sera tout. Bien. Entendu. Bravo! Depuis quand parlez-vous comme ça à votre mère? Quelle insolence! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis parti en douce et j'ai pris l'avion. Allez! Tu es parti? Ouais, je viens de louer une voiture. Elle est devant l'entrée de service. J'ai laissé les clés dessus. Il n'y a plus qu'à démarrer. Barney, je suis mariée à Billy. Mais c'est pas grave. Billy a eu le mariage. Moi, j'aurai la lune de miel. Allez, viens. Mais tu es censé être sur un bateau en ce moment. Tu es un déserteur. Non, 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 je suis objecteur de conscience. Tout comme je m'oppose à ce mariage. Et toi aussi, d'ailleurs. Oh, tu vas briser ton avenir. C'est toi, mon avenir, Elna. On va rouler toute la nuit, on changera de vêtements, on ira loin, très loin, tous les deux. On changera de vie, on traversera le monde entier. Non, arrête de garder distance. Je peux embrasser la mariée. Oh, c'est toi que j'aime, Barney. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt? Charles, dépêche-toi! Ah, je suis là, je suis derrière toi. Ah! Ton bateau fait une petite escale à Boston et tu en profites pour enlever la mariée. Oui, nous allions partir. J'aimerais bien voir ça. Si, nous partons, n'est-ce pas, Elna? Éléonore! Non, Barney, je regrette, mais personne ne partira, mis à part toi, et tu passeras par la sortie de service où la police navale t'attend pour te ramener sur ton bateau. La police navale? Deux garçons charmants, même que l'un d'eux est noir. Je peux très bien partir tout seul. Je vais me rendre. Enfin, comment est-ce que la police a su que tu te trouvais ici? Je n'hésiterai pas à les appeler s'il le faut. Non, une minute! Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Je sais rien. Oh, c'est curieux qu'ils aient eu l'idée de venir ici au club. Tu as dit à quelqu'un que tu avais l'intention de venir ici? Non, je... Je suis sûre que tu l'as dit. Tu l'as dit à tout le monde, à tes copains, au commandant. Non, je ne l'ai pas dit au commandant. Tu as même appelé le président Nixon en lui disant de faire venir la cavalerie à la dernière minute. Oh, d'accord, je l'ai peut-être dit à une personne. Tu l'as fait exprès pour être sûr qu'on ne porte pas ensemble, parce que tu n'as jamais eu envie de m'enlever. Comment est-ce que tu peux dire ça? Parce que tu as peur de vivre avec moi.
C'est complètement faux. D'accord, Barney, si tu es vraiment comme Robin des Bois, tu n'as qu'à m'emmener avec toi et affronter tes amis de la police navale, ou alors t'as qu'à repartir avec eux. Je repars avec eux. Au revoir, papa. J'appellerai quelqu'un à Washington et je m'arrangerai pour que ta peine soit allégée. Au revoir, Madame Gilbert. Franchement, Barney, je crois que cela vous fera un bien immense si vous mettez au trou, ou au cachot, ou à fond de cale, ou ailleurs, mais que vous y restiez. Au revoir, Edna. Au revoir, Barney. Tu partais, Barney. Je t'aime. Tu devrais aller chercher Billy et préparer vos bagages pour votre lune de miel. Ne soyez pas si triste, Elma. Quand vous le reverrez, il ne sera plus pour vous qu'un simple membre de la famille. C'est bien ce qui m'attriste. Seigneur Jésus-Christ, afin de lui demander d'accueillir cet enfant dans la maison de Dieu. Acceptez-vous, au nom de cet enfant, de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, de rejeter le mal et de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Oui, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'engage à Jésus-Christ pour toujours. Croyez-vous aux 39 articles de foi de l'Église chrétienne contenus dans le symbole des apôtres ? Oui, je crois. Acceptez-vous d'être baptisé dans cette foi ? Je viens juste de l'être. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Je veux dire, tel est mon désir. Oh, James est de loin le plus éveillé des trois. Il fait d'énormes progrès tous les jours. Il est extrêmement curieux. Il est étonnant. Tu vois, rien n'a changé. Sauf nous. 9 ans. Oui, ça fait longtemps. Allez, viens t'asseoir, on pourra discuter. Tu veux que je... Non, laisse ouvert, on ne sait jamais, au cas où. Au cas où, quoi? Au cas où mon bébé aurait besoin de moi. Ah. Ça me fait très plaisir que tu aies pu venir pour assister au baptême. C'est quand même mon filleul. D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment a réagi son très cher père quand tu m'as proposé d'être le parrain. Eh bien, il a longtemps hésité, c'est le moins qu'on puisse dire. Pauvre Billy. Allez, viens t'asseoir. Non, je préfère rester debout. Il y a la bougeotte. La Californie te réussit. Tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir. Ouais. Toi aussi, t'es rayonnante. Oh, moi, je suis devenue une grosse vache, tu veux dire. Avec ces 3 accouchements, mon tour de poitrine a doublé. Ils ont de la chance, les petits. Oh, arrête. Il a de la chance, Billy. Arrête, changeons de sujet. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé d'être le parrain? Oh, je sais pas trop. Parce que c'est le 3e et peut-être bien le dernier. Et je souhaitais que mes enfants aient des contacts avec quelqu'un qui vit ailleurs que dans cette maison. Et moi, je suis revenu ici pour reprendre contact. J'ai eu besoin... Non, c'est rien, il faut le changer. Billy va y aller, il s'en occupe très bien. Ça m'étonne. Oh, tu es injuste. Barney! Il aime ça! Alors, raconte-moi, qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Ben, après le service, je suis entré à l'école militaire. Oui, non, mais ça, je sais. Tu dois bien avoir quelques détails croustillants à raconter. Ne me dis pas le contraire. Ah, c'est du passé, tout ça. Oui, je sais, mais ça m'intéresse. Ah, il y aurait de quoi écrire un bouquin là-dessus. Ah, ça, je te fais confiance. Raconte. Je me suis marié. C'est vrai? Enfin, j'exagère, parce que je ne suis pas marié avec elle. Mais on vivait ensemble. Elle était vietnamienne, on faisait des tas de projets. On avait une jolie maison, c'était chouette. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais l'emmener avec moi.
Je suis allé à l'ambassade, j'ai fait les démarches, et puis à la dernière minute, je me suis dégonflé. Bien sûr, à cause de ton père. Non, à cause de toi. Oh. J'aimerais jamais personne d'autre que toi. Non, ne pleure pas. Chérie, prends-le. Il s'agite et je n'arrive pas à le calmer. Il veut être avec toi. Allez, jeune, sois gentil. Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit J'en sais rien. Là, viens la montrer ça. Tu m'aurais dit quelque chose. À la tienne. Oh, maman est là. On avait un gros chagrin. Oh, tu as vu qui est là? C'est tonton Barney. Regarde. Coucou, Jimmy. Viens faire coucou à tonton. Coucou. Tu reconnais tonton Barney? Ah, je sais pas qui je le rappelle, mais j'ai l'air de l'intriguer, madame. Tiens. Jimmy. Et voilà. C'est normal qu'il ressemble à Winston Churchill, ce petit père. J'ai rien. Renifle. Tu veux que je te montre la langue de Jojo? Non, il déteste. On va faire un gros dodo. On est très fatigué. Allez, on pleure plus. Donne-le-lui. J'ai l'impression qu'il est reparti pour un tour. Hein. Non. Ouais. Oh, c'est la grosse colère. Il va s'endormir d'un seul coup. Allez, trésor. Ouais, je suis pareil, moi aussi. J'aime pas dormir. Attention, fais attention à la marche. Il essaie de résister, mais je crois qu'il va bientôt s'endormir. Au fait, ce que je t'ai dit... Tu sais que tu peux parler normalement, Barney. Ah, je vais retourner à l'université. Pourquoi t'as pas terminé tes études? J'ai préparé un doctorat de philosophie. Sur quoi? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge? Ouais, je vais faire des recherches sur l'amour courtois. Ah oui, c'est quoi? C'est l'histoire de certains chevaliers qui, au Moyen-Âge, étaient amoureux de femmes mariées. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils les aimaient de loin. Et ils ne se voyaient jamais? Très rarement. Pourquoi? Elle était trop dangereux. Oh. Barney, Éléonore. Charles! Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai dû appeler la police. La police? Oui, figurez-vous que M. Sidoux allait prendre son bain, comme il le fait chaque après-midi, et il y avait trois individus complètement nus qui pataugeaient dans la piscine. C'est moi qui les ai invités. Tu les as invités? Oui, ils m'ont accompagné en voiture jusqu'ici, ils avaient chaud, ils étaient fatigués, alors... Ça ne m'étonne pas de toi. Éléonore, soyez gentille d'appeler la police pour leur dire que c'est une erreur. Oui, j'y vais. Barney. Oui, monsieur. J'aimerais, si ce n'est pas trop, te demander que tu ailles dire à tes invités de se rhabiller et puis tu les emmèneras dans le grand salon porter un toast à mon nouveau petit-fils. Je tiens vraiment à ce qu'il soit bien reçu, puisque ce sont tes invités. Et aussi parce que la règle d'or de ce club est l'hospitalité. Oui, bien sûr. Ensuite, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de t'exclure à tout jamais de ce club. Tu ne seras plus le bienvenu ici. J'espère que tu resteras à Berkeley. J'espère aussi que tu viendras me voir de temps en temps. Après tout, tu es mon fils et j'ai de l'affection pour toi. Mais quand tu reviendras, je t'ordonne de ne plus franchir la porte de ce club. Nous irons tous les deux dans un restaurant où nous serons placés dans un coin sombre, à une table crasseuse, par une serveuse vulgaire qui mâche du chewing-gum. Après une attente interminable, elle nous apportera des cocktails tièdes avec des cacahuètes dans leur emballage en carton. Elle nous appellera chérie et nous apportera le café en même temps que le plat. C'est ce que l'on nomme la démocratie aujourd'hui et apparemment, c'est ce que tu recherches et j'en suis terriblement navré. Si c'est ce que tu souhaites, j'en suis navré aussi. Non, ce n'est pas ce que je souhaite, Barney, et tu le sais très bien.
Mais tu sais aussi que je ne changerai pas et tu ne veux pas l'accepter. Excusez-moi, on vous demande au téléphone, monsieur Rocher. Oh, prenez le message, s'il vous plaît, Oli, je ne veux pas manger froid. C'est votre fils. Ben, dites à Billy que je le rappellerai. Non, l'autre. Ah. Voyons, Charles, ta soupe va refroidir. Excuse-moi. Merci, Oli. Oli, pouvez-vous tenir la soupe de monsieur Rocher? Mais naturellement, madame. Qu'est-ce qui t'arrive, Charles? Heureusement que j'ai mangé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il voulait encore? De l'argent? Oui. Il est en prison? Non, il a besoin d'argent parce qu'il veut monter une affaire. Ah! Jusqu'à quand vas-tu jouer les mécènes? Ah, il n'a pas un sou vaillant. Et alors, à qui la faute, hein? Il a été renvoyé d'une excellente école parce qu'il incitait ses élèves à se révolter. Pour protester contre le programme scolaire qu'il jugeait dépassé. Oh, Charles, quand est-ce qu'il saura accepter les choses telles qu'elles sont? Je me sens si fatiguée ces temps-ci. Ah oui, eh bien moi aussi. Je suis fatiguée de te voir dépenser autant d'énergie pour lui. Tu devrais arrêter maintenant, tu en fais trop. Oh, Charles. Quand je pense que tu as un fils merveilleux, travailleur, dévoué et une charmante belle fille, et qu'ils t'ont fait cadeau de 3 délicieux petits enfants. Oui, eux aussi, ils me fatiguent. Oh, Charles. Enfin, je veux dire que je déteste aller chez eux. Oh. Les enfants crient sans cesse, la télévision est toujours allumée, on ne parle que des succès scolaires de ces chères petites têtes blondes. Toi, tu es en train de vieillir. Oui, je suis un vieil homme. Et j'ai envie de me retrouver avec des gens de mon âge. On pourrait peut-être se marier. Pardon? Pourquoi pas? Mais je croyais que tu étais fatigué. C'est exact. Raison de plus pour vivre ensemble l'automne de notre vie, non? Réfléchis à ma proposition. Prends ton temps. Je vais voir ce que je peux faire pour Barney. Après avoir longtemps et mûrement réfléchi, j'accepte. Nous organiserons une petite cérémonie, quelque chose de très simple. La famille et quelques amis, d'accord? Ah non, mais on fera quand même venir un petit orchestre. Je veux que tout le monde danse. Oh, tu te rappelles, Charles? Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Oh, et puis si, on va faire la fête, d'accord? Avec un superbe orchestre. Ah, oh, je suis heureuse. Charles, oui, 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 oui. Je suis très heureux aussi, Mira. Bah, tu feras ce que tu voudras, ma chérie. Tu feras ce que tu voudras, ma chérie. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des hommes aussi désabusés? Quarante-cinq, dix, dix-neuf et demi. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je croyais que tu avais arrêté. Je suis en train de mesurer tous ces vieux fauteuils et je vais leur mettre de belles housses à fleurs. Je ne peux plus m'asseoir sur ces fauteuils. Non, ne touche pas à cette pièce, d'accord? Elle est très bien comme elle est. Très bien. C'est toi qui commandes. C'est ton jour, après tout. Ce n'est pas seulement le mien. Tu t'es battue pour l'avoir. C'est tout de même grâce à toi que les femmes dirigent notre club tous les jeudis. On s'est toutes battues. Oh, mais c'était toi le leader. Pourquoi ne vas-tu pas rejoindre les autres? Oh non, ça m'ennuie.
Pourquoi est-ce que tu ne vas pas jouer au tennis ou bien au golf, je ne sais pas. Ou encore mieux, attends, tu vas aller accueillir les nouveaux membres. C'est tout de même pour toi qu'elles organisent cette fête, non? Ah, si jamais Charles apprend que tu te retires du jeu alors que tu l'as tarabusté pour que les femmes aient leur jeudi, il va avoir une autre attaque. Il aurait pu téléphoner. Qui? Barney. Oh, Éléonore. J'ai attendu toute la matinée, c'est étonnant. Il est allé voir son père à l'hôpital. Oh, c'est pas une raison. C'est un homme extrêmement occupé maintenant. Enfin, c'est ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, je ne resterai pas une minute de plus avec quelqu'un qui se lamente parce qu'elle n'a pas reçu le coup de fil de son stupide beau-frère. Je joue les gardes-malades depuis plusieurs semaines. Je vais faire une partie de pétanque. En tout cas, une chose est sûre, il ne viendra pas ici. On l'a mis à la porte. Emma! Je peux vous aider? Oh non, 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 je ne fais que regarder. Vous êtes jamais venue? Non, non, je suis venue avec une amie, Christelle. Mais on m'a beaucoup parlé de vous. Ça va, beauté? Barney! Ah, c'est le jour des femmes aujourd'hui, m'a dit mon père. Mais c'est vrai que la couardise n'a jamais conquis le cœur des femmes. Oh, quelle surprise, j'aurais jamais deviné. Et il y a un serveur qui m'a fait du plat, t'imagines? Oh, Barney. Salut. Attends, je vais enlever mes talons parce que j'ai pas trop l'habitude. Oh, il est très chic ce costume. Tu as dû payer ça une fortune. Eh oui, je suis riche maintenant. Je vois qu'un ranch n'est pas seulement romantique, ça paie bien. Un ranch? Mais je savais que si tu te posais quelque part, il y aurait toujours un petit parfum d'aventure. Ah oui, oui, ça y est, je comprends. Non, 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 mais je travaille pas dans un ranch. J'en avais un, mais je l'ai revendu. C'était de la spéculation. De la spéculation? Oui, si tu veux, ce que je fais comme boulot, c'est que j'achète des hectares de terre, vierges de préférence, dans des coins plutôt sauvages où il y a quasiment rien et j'attends que les promoteurs se réveillent et fassent monter les prix. Oh. Oui, ou alors j'achète des biens immobiliers, des propriétés comme celle-là, rien que pour le plaisir de les démolir. Et puis bien sûr, je place mon argent en bourse, j'achète des actions. C'est maladif, il faut que je sache que mon fric travaille, ça me rassure. Ah, j'ai un avion à prendre dans moins de 2 heures, alors vite, qu'est-ce que tu deviens? Raconte-moi tout. Oh, moi? Oui, toi? Alors, il paraît que tu es la grande prêtresse du club maintenant? Oh, disons que ça me plaît bien. J'ai un travail à mi-temps. Dans quel domaine? Dans le domaine social. Je m'occupe des relations familiales. Je suis expert en maintien de l'équilibre familial les mardis, mercredis et vendredis. Et qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai plus de talent que pour résoudre mes propres problèmes. Et Charles, comment était-il? Il était vivant. C'est tout ce que je peux dire. Grâce à des tubes en plastique. C'est super. Tu sais, hier encore, les médecins ont dit qu'il s'en sortirait. Il essayait de manger un steak. Quoi? Un déjeuner. Quand on sortait dîner tous les deux, c'est toujours ce qu'il commandait. Un steak cuit à point avec des échalotes. Mais là, c'était plutôt un genre de steak compact et sans goût, de la bouffe d'hosto. Je lui ai demandé s'il voulait que je la coupe, mais il n'a pas voulu. Il était bien trop fier pour demander de l'aide et il l'a coupé tout seul. Il avait les mains qui tremblaient à chacun de ses gestes. Et quand il a voulu manger une bouchée, il a oublié que pour respirer, il avait un masque. Alors avec la fourchette, il me butait dedans. Alors il le poussait sur le côté et allez, il le remettait. Je me disais, il va l'oublier encore, ça c'est sûr. Et à un moment, Et je le regardais sans dire un mot, sans rien faire, bien sûr, parce que j'étais là, à côté de lui. Oh, Barney, ce doit être tellement dur pour toi de voir ton père dans cet état. Ouais, c'est dur. C'est la vie. Ouais. Et Billy, comment il réagit? Avec sang-froid, comme d'habitude. Oh, il va tous les jours à l'hôpital. Je vais avoir des vacances bientôt. J'aimerais bien venir te voir. Quoi? J'aimerais bien venir te voir. Venir me voir? Oui, pour quelques jours, une semaine maximum. Quoi, tu veux dire tous les 5?
Oh, non, non, moi seulement. Oh, c'est bien de prendre des vacances séparées, ça change de la routine, des habitudes. L'été dernier, Billy est allé chasser le canard et... Ah, oui, très intéressant. Oui, je rêve. Tu veux savoir ce que je me disais pendant que tu te posais des questions sur les bienfaits des vacances séparées? Je me disais que c'est foutrement dur d'être loin de sa famille quand on est amoureux de la femme de son frère. C'est toi qui as décidé d'habiter aussi loin. Je t'ai souvent écrit pour te dire de passer nous voir. Passer vous voir? Alors là, c'est de mieux en mieux. Ben voyons, et puis tu m'aurais installé dans la chambre d'amis pendant que Billy te caresserait en regardant le film du samedi soir. Billy ne se couche pas si tard. Ah ouais? Eh ben moi, je suis insomniaque. Edna, est-ce que tu as une idée du nombre d'heures que j'ai passées en thérapie pour essayer de ne plus penser à toi, ou plutôt pour trouver un moyen de penser à toi comme à une amie? Une amie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez! Quoi, ça te suffit pas? Tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux aller te payer un petit week-end en amoureux avec ton beau-frère, hein? Histoire d'avoir la fièvre au corps, et puis après tu retourneras dans ton lit. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? Tu t'ennuies ici. Ça te plaît plus, la vie de banlieue, hein? Comment ça se passe ici déjà pour rencontrer des gens? Tu entres, ensuite tu jettes les clés au beau milieu de la pièce, et le premier qui ramasse, tu te le fais? Ah, tu me vois faire ça. Ou alors, je sais pas, moi, finalement, tu as peut-être un penchant pour tes petites copines, c'est pas exclu, après tout. L'égalité des sexes, ma chère. C'est ça, franchement. Ça suffisait. Arrête! Tenez-toi! Arrête! À une époque, un baiser aurait mis fin à cette querelle. Mais lâche-moi! Tu te prends pour qui? Tu n'as pas fait le bon choix, Elna. Tu t'es trahi lâchement, tu t'es vendu. Ah oui, toi, bien sûr, tu es le meilleur. Non, certainement pas. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de vivre à ma façon. Oui, en détruisant la nature. Et alors, tu me prenais pour Albert Schweitzer ou Woody Guthrie? Oui. Une espèce de héros mythique, genre grand protecteur façon Robin des Bois? Quand je pense à toutes ces années. Ces années perdues, toutes ces heures que je t'ai données comme une idiote, me demandant ce que tu devenais, rêvant de toi, priant pour toi. Et maintenant, c'est fini. Oui, c'est terminé. Je ne veux plus me réjouir de ta visite, Barney. Il n'y a plus de raison. On a eu tort de ne pas s'expliquer avant, toi et moi. Oui. Qui est-ce? Elle est drôlement charpentée. Elle est de la campagne. Ah, j'ai eu Billy au téléphone. Il voudrait juste savoir quand il peut sortir la pizza du congélateur. Je sais pas, je... Lui. Oh, maman, je ne peux pas rentrer à la maison. Éléonore. Éléonore, ma chérie, mon trésor. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. La dernière fois que je vois ce jardin. Mais non, ça ira mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Boston? Je suis venu te voir. Des problèmes d'argent? Non. De toute façon, je t'en donnerai plus. Bah, écoute, j'ai pas besoin d'argent. J'ai des ennuis? Non, tout va bien, je suis très heureux. Bon, assieds-toi. Non, merci. Je t'ai dit de t'asseoir, ici. Oui, pas. Tu comptes aller voir Elna? Non. Tu en es sûr? Absolument. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère? On dit la femme de ton voisin. Oh, quelle importance, on ne lit plus la Bible de nos jours. Ça fait plus de 25 ans que tu harcèles cette pauvre fille. C'est fini maintenant. Elle a choisi Billy. Je sais, papa. Tu as perdu, Barney. Alors, s'il te plaît, sois beau joueur. Accepte ta défaite, laisse-la tranquille. En ce moment, tous les deux, ils ont des tas de problèmes. Et je ne veux pas que tu tires avantage de la situation. Je vais bientôt disparaître, et le club aussi, tu es au courant? Oui, vaguement. Il n'y a personne qui veut le reprendre. On va être obligé de vendre. La piscine fuit, les domestiques volent. Allez hop, on vend le tout. Tu penses qu'il sera démoli? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as jamais aimé ce club. Je suis toujours revenu.
Pour faire des histoires, non, oui. Pas toujours. Oh, toujours. Non, aujourd'hui, je suis là parce que je voudrais... Ah, oui, ça y est, enfin. Qu'est-ce que tu voudrais? C'est vrai, si tu es là, il doit bien y avoir une raison. Je vais te demander pardon. Tu connais l'histoire du fils prodigue? Un homme avait deux fils, un bon et un mauvais. Le mauvais revient chez son père et le père fait tuer le veau gras pour fêter oui, son retour. Souviens. Malgré tous les problèmes qu'il lui a causés. Eh ben moi, je dis qu'il a eu tort. Billy aura droit au veau gras. Il est travailleur et honnête. Il a trois enfants, il ne m'a donné que des satisfactions. Oui. Toi, tu n'as fait que semer la pagaille oui, autour de toi. Raison. C'est pas oui, vrai, si, parmi, si, c'est pas vrai. Vrai. Pourquoi? Pourquoi? Alors, je t'écoute. J'ai besoin de savoir avant de mourir. Je t'ai dit que tu n'allais mais pas... si, je vais mourir et tu le sais aussi bien que moi. Et puis on n'a jamais été du genre à faire des sentiments tous les deux. On ne va pas commencer aujourd'hui, ce serait ridicule. Tu as raison. Alors, pourquoi? Je t'en voulais pour la mort de maman. Mais enfin, pourquoi? Je trouvais que tu l'aimais pas assez. T'étais jamais affectueux, t'étais distant. Je sentais qu'elle avait besoin d'autre chose. Et ta mère est morte d'un cancer, Barney. Ça, c'est une raison médicale. J'ai jamais dit... C'est à cause d'une analyse que j'essaie de t'expliquer. Que tu t'es comporté toute ta vie. Non, non, écoutez, oui. Ton grand tournoi de tennis dont tu nous rebats les oreilles depuis toujours. Ce superbe trophée que vous avez gagné. Il faut que tu saches que ça t'a marqué à ce point-là. Parce que c'est la seule fois que tu as été en phase avec maman, que vous avez été unis. Mais ça, ça a été un cas exceptionnel, presque une anomalie, parce qu'en fait, t'es passé à côté d'elle, sans la voir. Et avec moi, ça a été pareil. Mais pas du tout, je t'ai regardé, Barney. Non. Je t'ai observé toute ta vie. Tu n'as jamais pu respecter les règles, parce que tu les rejetais, parce qu'elles te faisaient peur. Je le comprenais très bien, même si je n'ai jamais approuvé ta conduite. C'est ça que tu veux que je te dise bien, mon garçon? Non, oui, non, continue, non, c'est non, bien. Je veux que tu me soutiennes, que tu m'acceptes. Je ne te demande pas d'approuver ma façon d'être. Ça, ça m'intéresse pas. Je serais même déçu. Ce que je veux, c'est que tu m'acceptes. C'est tout. Tu pourrais au moins me regarder. Souhaite-moi bonne chance. Dis-moi quelque chose. D'accord. Très bien. Merci quand même. Barney. Il y a un psychiatre au club. Il a une barbe et des cheveux longs, tu l'apprécierais sûrement. L'autre jour, il m'a dit que tout le monde sur cette terre essayait d'une façon ou d'une autre de tuer son père. Tu es d'accord avec lui? Non. Et il a ajouté, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, que c'est ce que tu as fait. Toute ta vie, tu as essayé de me tuer, Barney. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, papa. C'est vrai que tu n'es venu que pour me voir? Oui, je te jure, rien que pour te voir. Pourquoi ça a toujours été aussi difficile entre nous? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi non plus, je n'en sais rien. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Je suis fatigué. Je vais te ramener à l'intérieur. Non, ce n'est pas la peine. Mira ne devrait pas tarder à venir me voir. Au revoir, Barney. Et merci, merci d'être venu me rendre visite. Au revoir, papa.
vais y aller, Bob. Maman veut bien que tu fasses un discours du moment qu'il est bref et convenable. Barney. J'en ai pas la force. Je vais me lever, je vais me mettre à chialer comme un gamin. Oh, Barney. Tiens, quelle heure lire. Moi? Ouais, vas-y, je reste là. Oh, tu plaisantes, voyons. Ce n'est pas un discours, c'est quoi exactement? C'est un acte notarié. Qu'est-ce que c'est? Un acte notarié. Je suis propriétaire de la maison. Qu'est-ce que tu dis? Je viens de l'acheter. Tout le domaine est à moi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'en sais rien. Pour en faire cadeau à mon père. Mais c'est merveilleux. Bah, c'est n'importe quoi, oui. Non, 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 tu as une idée merveilleuse. Mais non, c'est nul. Je suis qu'un pauvre clown. Toute ma vie, j'ai fait des grimaces devant un miroir. Et maintenant, je continue, seulement cette fois, il n'y a plus de miroir. Tu as une idée merveilleuse et je vais aller le dire à tout le monde. Oui, c'est ça. Et pendant que tu y es, tu pourras leur dire de ramasser leurs raquettes et leurs maillots. Je vais être obligé de raser l'ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas faire ça. Tu veux que je fasse un truc pareil? Ben, j'en sais rien, mais ce serait... Et Robin des Bois, qu'est-ce qu'il ferait? Oh, arrête. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait à la fin du film? Je sais plus. Moi, je m'en souviens. Il gagne le tournoi et on lui rend le château, tu te rappelles? Ah oui, il s'y installe et il paye des impôts fonciers monstrueux au shérif de Nottingham. Non, non, il abaisse le pont-levis. Il invite tous ceux qui ont envie de s'amuser, de chanter, de danser, de jouer de la musique. Non, mais je t'assure, c'est vrai. On le regarde et on se dit qu'il va en faire un endroit merveilleux. Et bien sûr, Marianne est avec lui. Et ensemble, ils vont redonner vie à ce château. Je croyais que tu quittais la ville. Où tu vas, au fait? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu vas faire, en juste? Ça ne te regarde pas. Ouais, ce qui veut dire que t'en sais rien. Ce qui veut dire que ça ne te regarde pas. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un travail, je connais des tas de gens et je serai débrouillée. Écoute, je n'ai pas amené la police navale, cette fois. Et la 7e cavalerie n'est pas postée au coin de la rue pour venir me délivrer. Mais pourquoi je t'y croirais après tout? Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Voilà pourquoi. Non, ce n'était pas pour moi, c'était pour ton père. Il n'est plus là, maintenant. Je suis libre, Elna, et toi aussi, comme on l'était le jour où on s'est rencontrés dans cette pièce il y a 27 ans. Comme on l'était le jour où ta mère est venue te chercher pour te remettre dans le droit chemin. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous n'avez pas honte, un jour comme aujourd'hui? C'est l'enterrement de votre père, vous n'avez donc pas de cœur? Je suis navrée, maman. Oh, Éléonore, mon bijou, ma petite fille, quelle tristesse! Me voilà seule à nouveau, ma chérie. Je n'ai plus que toi maintenant, mon trésor. T'es prête à rempiler pour 27 ans? Oh, le cauchemar est terminé. Éléonore, j'ai besoin de toi. Non, maman, tu n'as pas besoin de moi. Tu te débrouilles très bien toute seule. Tu es une grande fille. Bien. Non seulement j'aurais perdu un mari, mais il semblerait que j'ai également perdu une fille. Que puis-je y faire? C'est la vie. Bravo. Tu es maintenant sur le chemin de la liberté, Elna. Tu as été parfaite. Tu trouves? Tu sais très bien que tu es toute ma vie. Tu es vraiment tout ce que j'ai connu de sincère, de grand, d'idéal, de merveilleux. Et comme ça, j'y peux rien. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Oh, Barney. Oh. Nous n'avons jamais existé en dehors de ces murs. Nous n'avons encore jamais quitté cette pièce tous les deux. Si on le fait, on va disparaître, se voilà utiliser. Nous devons essayer.